Thank you very much. We just completed a very good meeting of the coronavirus. Coronavirus. Le COVID. La priorité, c'est la santé. Aujourd'hui, on a 4 personnes de plus qui sont infectées au coronavirus, donc pour un total de 21. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est le 22 mars et il est 1h. By the way, ça fait genre 9 jours qu'on est en quarantaine. Fait que prochaine activité que je vais faire pour la quarantaine, je vais faire le ménage de mon garde-robe. Parce que honnêtement, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait le ménage de mon garde-robe. Je fais le ménage dans mes vêtements, mais tout ce qui est comme tablette du haut et genre mess du bas, je le fais jamais. Bon, je vais vlogger ça, je vais peut-être trouver des choses intéressantes à vous partager. Ok, je viens de trouver un souvenir tellement épique là. C'est ma dernière journée au secondaire. Pendant l'heure du dîner, on a décidé de tous écrire des messages sur les polos. Des polos qui doivent valoir à peu près genre 100$. Comme honnêtement, il y a plein de monde là-dessus que je parle même plus. J'ai trouvé ce sac que j'avais au Oh My Fest. Si vous vous souvenez, le Oh My Fest quand c'était genre a thing. Fait ici j'ai Jean-François CD, là c'est, oh my god, Amy Fashion Impact, aka genre Amélie Barbeau, Florence 99, ça j'ai aucune idée c'est qui, ça dit inspiration du moment, honnêtement je me souviens pas c'est qui, Marianne et Gabrielle de Deuxième Peau, Girly Addict, puis Alexandra Larouche, oh mon dieu elle a tellement une belle écriture, genre wow. C'est tellement un souvenir là. Genre si vous avez tout au My Fest, dites-moi là en commentaire parce que honnêtement j'ai quand même l'impression que le Oh My Fest c'est dead. Oh my god, guys, j'ai trouvé mon Game Boy! Oh, wow! Ok, est-ce qu'il fonctionne encore? On va essayer. RIP. Une autre relique, j'ai trouvé mon iPod Nano. C'est ça, iPod Nano? En tout cas, hey, 2 gigs. 2 gigs aujourd'hui, c'est la place d'une application, là. Il fonctionne ça encore? Je pense que tu avais pesé sur Play pour l'allumer. Fonctionne ça encore? Je pense pas. Mais je me souviens que ça, c'était tellement de shit, là. Wow! Ok, je viens de trouver genre 3 photos de moi quand j'étais petite. Bon, ça, c'est moi qui est clairement pas à l'aise avec... probablement mes cheveux. C'est oh my god, ok. Fait que ça dans le fond c'est moi. Je pense que j'avais 1 an. J'avais l'air d'un petit garçon. Fait que ça c'est moi. C'est ma cousine Judith qu'on s'entend qu'elle a de l'air genre de venir d'Afrique du Sud à côté de moi là. Puis t'as ma mère. C'est tellement cute! Puis ça c'est moi. Et mon best look de genre 2000. Non, probablement 1900 genre 1999. Oh my god. J'ai trouvé un sac d'amandes. Est-ce que vous pensez que c'est encore bon? Y a-t-il une date? Yeah, je pense pas qu'il y a de date d'expiration. On va l'ouvrir juste pour le fun, ok? Je vais peut-être mourir. C'est peut-être pas le corona qui va me tuer, mais c'est peut-être les amandes. Actually, ça sent genre ben legit, là. Comme ça sent les amandes, là. Yo! Ok. Ça goûte bon. Oh! Je vais snacker sur mes amandes. Probablement qui sont là depuis des années. Ok, j'ai juste trouvé un sac. Genre avec une brassière qui m'appartient clairement pas. Parce que c'est clairement pas ma grosseur de sein. Ça doit être une de mes amies. Fait que si j'ai une de mes amies qui est venue dormir chez moi. Puis que t'aurais peut-être oublié ta brassière il y a une couple d'années chez nous. Ben, je l'ai. Gang, j'ai trouvé un Purel. Une denrée rare ces temps-ci. Je le garde. Genre tout ça là, c'est un bac de genre sac puis de chaussures que honnêtement j'ai pas dû toucher depuis 3 ans. Facile.
Fait qu'on va peut-être faire un petit ménage là-dedans. Fun fact, ça c'était genre mon sac à dos du secondaire parce que c'était comme la mode au secondaire d'avoir des genre des petits sacs de même pour aller à l'école. Mais c'est un fossile. C'est quand même très fancy là, pour un sac à dos d'école. Ça paraît que genre j'allais au privé. Ok, ce sac là, c'était tellement genre mon sac. C'est un sac. En fait, avec toutes les lignes d'autobus de New York, puis my god que j'aimais ce sac-là parce que si vous me connaissez, je suis obsesse avec la ville de New York. Puis mon dieu que je le traînais partout pour genre me faire rappeler de New York. Mais my god que je te l'ai magané solide. Ouais, je pense que... Je sais pas qu'est-ce que je fais avec. Parce que ça a quand même une grosse valeur genre de souvenir là. Je pense que je vais le garder dans mes souvenirs. Bon, fait que là, c'est pas si pire, je me suis pas mal... J'ai pas mal, genre, clear tout ce qui est en bas. Ici, c'est comme des boîtes de souvenirs que je sais que je vais garder. Puis en haut, honnêtement, je sais pas si je vais faire de ménage parce que je sais que tout ça, c'est comme des souvenirs. Mais checker ça. Ça, compris ce qu'il y a sur mon lit, c'est tout ce qu'il y avait dans mon garde-robe. Ok, fait que ça a peut-être vraiment pas de l'air clair, là, mais ça... C'est ce que je garde. À partir de là, c'est ce que je potentiellement donne. Ça, c'est des trucs que je garde mais qui vont pas dans ma chambre. Puis ça, c'est des trucs que je jette. Fait que là, je pense que ce que je vais faire en premier, c'est que je vais m'occuper de ce que je garde. Puis je vais vraiment les mettre comme dans des boîtes. Après ça, je vais peut-être envoyer des photos à mes amis, voir s'ils pourraient être intéressés à comme avoir certains trucs. Après ça, je vais m'occuper de qu'est-ce qui reste, puis après ça, je vais jeter ce qui est acheté. Il y a tellement de stock là, mais je suis contente de le faire parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Update! Fait que là, on est... C'est quelle heure? Il est 2h35. Fait que ça fait 1h30 que je fais ça, puis honnêtement, j'ai pas mal fini. C'est toutes des affaires que je vais donner, puis honnêtement, la majorité de ces affaires-là, j'ai déjà des gens qui les veulent. Sinon, ici, j'ai 3 trousses à maquillage aussi que je vais donner. Donc honnêtement c'est pas mal ça, mais oh my god, je vais vous montrer le résultat là parce que c'est fou. Fait que ça c'est le après. On s'entend que c'est déjà pas mal mieux. Fait que dans le fond, ici c'est toutes des boîtes avec des comme des photos, des souvenirs, ces affaires-là. Ça c'est des coussins de voyage, c'est toujours comme pratique. Ça, c'est ma boîte pour ma grosse caméra. Ça, c'est une boîte avec tous mes sacs que j'ai décidé de garder. Je dirais qu'il y a peut-être le tiers de mes sacs que je me suis débarrassée. Puis ça, c'est une autre boîte avec des souvenirs. Fait que pour vrai, je suis quand même très contente de ce que ça a donné.